Je voudrais simplement dire au peuple sénégalais, pour conclure, c'est qu'un peuple ne se développe que par lui-même. Savez-vous que nous avons fait récemment un exercice de vérité pour dire aux Sénégalais ce qu'il en était. Certains ont crié au loup en disant que nous aurions dû mentir au peuple sénégalais pour éviter de nuire à l'image du Sénégal. Nous ne sommes pas dans cette relation avec le peuple sénégalais. La vérité sera dite, quelles qu'en soient les conséquences, mais pas pour nuire à l'image du Sénégal, pour lancer un message très fort au peuple sénégalais. C'est que ce qui nous a conduit à ces situations, c'est qu'on a souvent voulu se cacher derrière notre petit doigt et éviter d'affronter les réalités de face. Les modèles de développement qui ont marché ailleurs et qui sont pratiquement identiques compte tenu des réalités et des spécificités socioculturelles sont les mêmes qui développeront ce pays. Et ce modèle, c'est compter d'abord sur nous-mêmes. Notre note a été très légèrement dégradée. Nous attendions beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que même sur le plan international, les partenaires ont salué l'exercice de vérité. Mais si notre note a été dégradée après, notre développement ne dépend pas du financement international. Il dépend de nous, de nos capacités, à nous fixer des objectifs, à mobiliser toutes les ressources endogènes, et Dieu sait qu'on n'en a pas mobilisé encore le cinquième. Et seulement, mais alors seulement, toute aide internationale, encore que c'est rare de parler d'aide, puisque c'est souvent des dettes, viendra simplement en complément. Et ce message, nous devons le comprendre, parce que si aujourd'hui le Japon, qui n'a aucune ressource naturelle, qui a vécu ce qu'elle a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale, a su en être à ce niveau, c'est parce qu'il a appliqué cet esprit, ce modèle, cette combativité, ce don de soi pour sa patrie, mais cette croyance fondamentale en lui-même et à son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention.